groupe. On va vivre ça ensemble dans un instant. Salut à toutes et à tous, on est à Luseil, à quelques kilomètres du centre-ville de Doha. L'ambiance est en train de monter dans les tribunes du Luseil Stadium. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. On en est à la deuxième journée de phase de groupe de cette Coupe du Monde, l'Australie contre l'Ukraine. L'équipe à domicile doit faire oublier sa défaite au premier match. Devant ses supporters, elle va chercher à se racheter. Ça promet un spectacle pétillant. On va regarder la composition de cette formation. 4-5 ans offensif ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Alors, voilà la composition officielle de cette équipe. Ça joue dans un 4-5 ans assez conventionnel. Beaucoup de monde au milieu pour essayer de garder le ballon le plus possible. Allez, c'est parti pour ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. La bonne percée, il faut aller provoquer. Le tir, et le gardien s'illustre bien. Allez, bien frappé ce corner. Quelle intervention, elle est hyper importante. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Yaremchuk. Et le tir part bien. Goal, 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 goal. Ça ne traîne pas dans ce match. Et tant mieux, déjà l'ouverture du score. Alors voilà, on vient de voir du tiki-taka. Le ballon circule vite pour créer une brèche et ensuite mystifier la défense. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comment ça, c'est absolument imparable. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ça joue, avantage. C'est une récupération du ballon sur cette action. Super progression dans la moitié adverse. Ouais, très bon pressing et le ballon est récupéré.
C'est un ballon de contre à jouer. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Sobol. Interception en pleine surface de réparation. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Passe coupée au bon moment, bien joué. Ouh, la faute et attention là, ce tacle. Et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Bon espace à utiliser sur le flanc de la défense. Attention à ce tir. Ouais, le plongeon et la bonne parade pour mettre fin à l'action. C'est bien parti pour ce corner. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Ouais, le ballon est bien intercepté. Ouais, le déboulé dans la défense adverse. Bien joué. Attention pour égaliser. Oh, le but et l'égalisation sur ce ballon. Voilà une belle preuve de caractère. De retour dans ce match, et tant mieux pour le spectacle. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et avec ce but, score de parité, un partout. Yaremchuk. L'Ukraine avec le ballon pour tenter quelque chose. Et attention à ce centre. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ah non, hors-jeu signalé. Ouais, bonne anticipation, c'est bien défendu. Ouais, l'arbitre là, il n'a pas trop le choix. Il faut interrompre le jeu et laisser entrer les soigneurs. Ça y est, le match reprend avec cette balle à terre. Ça sort, renvoie au 6 mètres. Pressing haut sur le terrain.
La bonne lecture pour stopper cette offensive. Sur le côté, avec de l'espace. Oui, la frappe. Attention à ce ballon qui traîne. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Ah non, c'est rendu directement. Yaremchuk. Bonne progression dans le camp adverse. Ça y est, c'est la fin à l'instant de cette première période au Lucel Stadium. Allez, c'est reparti la deuxième période donc dans ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. C'est bien défendu, le ballon est récupéré. Ouais, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Ouais, ce ballon est subtilisé in extremis. Ouais, l'équipe peut jouer le contre. Ouais, une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Ouais, le drapeau s'est levé hors jeu. Ah, il perd ce ballon. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Il s'est bien intercepté dans la surface de réparation. Voilà, le changement de rythme s'est bien fait. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Malinovski, le ballon pour Yaremchuk. Attention, méfiance avec ce centre. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Il va falloir déclencher là. Le danger est éloigné. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Le ballon circule bien. Sans aucun effort pour le gardien. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe.
Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. C'est un match très ouvert avec une poutre. Oh, c'est bien joué ça! Très facile pour le gardien cette balle. Bien défendu. Ouais, bien donné en profondeur. Excellente intervention. Un peu de coaching avec ce changement. C'est bien parti pour ce corner. Ah, la tête passe au-dessus, il y a beaucoup de pression à la tombée. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son... Et quelle parade! Voilà un arrêt décisif qui permet à son équipe de tenir. La profondeur avait été trouvée, mais finalement, c'est manqué. Voilà, changement donc. Petite combinaison. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe. Zinchenko, le ballon pour Yaremchuk. Voilà, c'est plutôt bien arbitré, l'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Zinchenko. Elle frappe en force, à mi-distance, il y avait de l'idée, vraiment. Le côté un bon coup à jouer peut-être. Nous assistons à un moment décisif dans ce match. Un but serait synonyme de victoire. Tir contré sans difficulté. Oh, la frappe. Et but! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable et l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. On le revoit, un but dans les arrêts de jeu qui change tout et pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale! Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Et le match se termine donc à l'instant, évidemment, pour les supporters qui ont fait le déplacement. Déception avec cette défaite. Ce but concédé dans les derniers instants leur a fait mal. C'est une défaite qui va laisser des traces.